Hello à tous, aujourd'hui il faut un mot de passe et le mot de passe c'est licorne perdue. Merci. Ça nous a pas suffi hier, du coup ce matin on petit déjeune avec des macarons de la durée. C'est ceux qu'on a achetés hier mais qu'on avait gardé pour le petit déj. Moi il me reste des macarons pistaches. Loïs c'est café et chocolat noisette. Et il y aura ses fraises bonbons et chocolat noisette d'ailleurs. Donc là, Eliora avait essayé de forcer son père à goûter son macaron fraise bonbon. Qu'ils ont en fait des macarons goût fraise tagada. Maman, il va me tomber sur ce Je sais coup. Qu'il a la tête lourde, papa. Ah! Après le petit déj macaron de luxe, là, il faut vider la machine qui est propre et en mettre une autre à tourner. Voilà, faut préparer les vacances, quoi. Machine en route. Là maintenant je vais débarrasser un peu le salon mais je vais surtout aller me laver avec Eliora. Je me reviens que Loïs en fasse de même. Ce serait pas mal. Bon, ça y est, on ménage dans le salon fait. Hop, Loïs il a rangé son placard pour. Enfin il a trié ses affaires pour mettre les nouvelles affaires. Et regardez-moi cette petite beauté. Non mais c'est quoi ce petit mannequin d'enfant? Par contre les doigts dans le nez c'est bof hein. Tu peux retirer, merci. Tu nous montres ta belle robe? Waouh. C'est ce cinéma. Et là du coup Eliora va déjeuner avec mamie parce qu'elle a besoin de passer. Ah, c'est aussi un bébé, petit lézard. Donc mamie elle a besoin d'aller chez Swarovski. Elle a perdu l'œil que je lui ai donné, là celui-là. Donc on va aller voir chez Swarovski s'il y en a encore, si elle peut l'acheter tout seul ou pas. J'ai reçu une petite bolasse d'une petite créatrice, une abonnée. Je vous en parle sur Insta. Viens dormir avec. Ah d'accord. Regardez, elle a voulu mettre ses lunettes là comme moi. Marrant, c'est trop bien. Et non, je sors pas maquillée parce que. Parce que pas envie. Bon, là dans l'ascenseur, c'est pas flatteur, mais ça va en vrai. Bon, cet enfant a retrouvé sa mamie. Salut, mamie! Pour rester dans le familial simple, on est chez Pizza dell'Arte. Eliora, elle est déjà en train de jouer avec les petits jeux. Elle adore faire ça en attendant d'avoir sa commande. Elle adore ça. Mamie, elle a pris une petite pizzetta avec une salade. Eliora des gnocchi. Et moi, une salade simple. Comme ça, avec la focaccia. Là. Bon ça y est, vacances veut dire activité à la maison, du coup là on va changer un peu, on a pris chez Emma de la feutrine, de la colle et on a trouvé des petits yeux à coller sur la feutrine. Du coup on va regarder ensemble avec Eliora comment on va faire un bonhomme en feutrine. Maman c'est pour faire quoi la colle? C'est pour coller dessus les choses. Et sinon, je suis passée au nop, prendre le déo de Loïs. Lui il aime bien ça, moi je préférais qu'il passe sur un bio en verre, en spray, mais bon là il a pas voulu, j'ai tout négocié, il a pas voulu. Autant le shampoing solide j'ai réussi, autant ça j'ai pas encore réussi, mais ça va venir les amis. Il prend Sensodyne en dentifrice et je me suis repris un nettoyant désinfectant Jacques Briochin parce que là franchement j'avais besoin d'un truc qui fait un peu tout, voilà. Donc j'ai pris celui-ci, parfum citron, très bien. Parce qu'il n'y avait pas d'alcool ménager. Et en ce moment, le vinaigre ménager, j'ai vraiment du mal avec l'odeur en étant enceinte. Du coup, j'ai dit hop hop hop, ça devrait le faire. Ça nettoie tout. Tout! Chez Emma, j'ai pris aussi ça là, les. Comment ça s'appelle? Les sacs sous vide pour qu'il puisse. Là, il a trié son placard. Donc il y a des affaires qui vont aller à la cave. Parce que c'est des affaires qui sont en fait trop petites, mais quasi neuves parce qu'il a pris pas mal de poids. Du coup, ça, on va mettre sous vide et il pourra récupérer. J'ai pris simplement une pochette comme ça pour mettre tout mon dossier médical, vu qu'on part à l'étranger. Et je lui ai pris ça à Loïs pour qu'il mette dans sa sacoche. Parce que sa sacoche pro, elle est en bordel de ouf. Et il y a ces petites choses qui sont hyper bien faites. C'est des trieurs souples comme ça. Et je suis sûre que ça va lui changer la vie. En plus, il peut écrire dessus. Là, il a les petites étiquettes pour rentrer là-dedans. Et il va pouvoir écrire dessus à quoi ça correspond, si c'est, je sais pas, dossier en cours, location, vente, achat, perso, pro, enfin tu vois, j'en sais rien, je vais le faire avec lui, mais ça c'est très bien. Et Eliora, elle se met, c'est bon, t'as trouvé ton truc qui fait des ronds? Attends, je vais t'expliquer comment on va faire quand même, hein. T'es pressée?
Bon, du coup, Elior, elle est en train de faire son bonhomme comme fourchette dans Toy Story 4, elle m'a dit. Et pendant ce temps-là, je monte le vlog à côté d'elle. Comme ça, on fait toutes les deux une activité ensemble. C'est bien, hein? Tu fais ça bien, mon cœur. Hop. Bon, après moult et moult activités, le corollaire alimentaire et la colle, on passe à la peinture. C'est mieux. Hein, c'est mieux. Bon, on vient de faire une interlude. Il y aura parlé par le balcon à sa copine Bérénice de son ancienne école qu'elle adore. Et du coup, on la verra après les vacances, mon cœur. Oui, je mélange un peu de trois couleurs. Et on se remet à la peinture, il faut que j'aille faire le dîner. Mais alors, la motivation, elle est x0. Hein. On va faire une salade. Bon, je vais préparer le dîner. En entrée, ce sera concombre. En plat, je vais faire spaghetti avec une sauce un peu parmigiane. Donc, faut que je prépare ça. J'attends le parmesan parce que j'en ai plus. Donc, je l'ai commandé avec des capellini numéro 1. Et je me demande si je fais de la viande ou pas. Mais oui, je pense que je vais faire une viande avec. Donc là, je sors les escalopes de veau. Il y en a trois. Une petite et deux normales. En gros, une pour Eliora et une pour Loïs et une pour moi. Voilà. Donc je vais essayer de préparer tout ça. Je suis vraiment au ralenti. En plus, impossible de mettre la main sur mon économe. Donc j'en ai un comme ça, mais il est hyper tordu. Il est plus rien. Ça m'énerve quand je trouve pas mon truc dans ma cuisine. Voilà. Pourtant, tout est là. En train de cuire, je l'ai mis à gratiner en fait pendant 10 minutes. Oui. On est rentré dans un autre pays, qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas, maman, je le ferai à ce moment-là. Mais tu as raison de t'inquiéter de la quantité d'eau dans notre pays. Tu mourras pas de soif, mon cœur, t'inquiète pas. Je me débrouillerai. Oui, donc je sais pas trop comment appeler ce plat que j'ai fait en gros. Non, bah c'est pas une solution. Hein. Il y aura encore de l'eau. Mais c'est pas une solution, mon cœur. Tu me ranges ça, s'il te plaît. Bon, du coup, voilà, on attend de voir le résultat quand c'est prêt. De toute façon, il faut que je débarrasse la table, qu'on range un peu le salon et qu'on prépare, qu'on mette la table pour le dîner. Mais regardez-moi cette petite merveille là. On va être trop bien pour manger ça. Mon Loïs doit être sur le chemin pour entrer, j'espère. Mais il y aura faim, du coup, je vais lui faire goûter à elle en première. Il y a la viande dessous. Je vais réussir à couper. Il faut pas être très malin ce que j'ai fait. Je crois pas que ça coupe bien. Ah si. Maman, je n'avais jamais vu ce couteau que tu coupes. C'est un couteau de cuisine. Que je vais réussir à te donner un morceau. Déjà, donne-moi ton assiette, s'il te plaît. Là, on va attraper la viande dessous. C'est à la fin, la viande. Mange déjà à chat, je vais chercher la viande dessous. Non, s'il te plaît, maman. Ou je vais t'en apporter. Ça a l'air bon ou pas? Fais gaffe, c'est très très chaud. Hein. Tu vois, ça fume. Oui. Bon, le dîner avec Eliora fatigué, ça a été juste horrible. Loïs est rentré mais il se sent pas bien donc il va pas manger. Donc j'ai cuisiné tout ça pour rien. Je vais juste me faire réchauffer un bout et manger des concombres. Faites la cuisine qui disait. Enfin, je suis comme ma fille fatiguée là. Du coup je me fais réchauffer ça, je mange des concombres, je regarde un replay à la télé et voilà.
Bon, en fait, j'abandonne. Je voulais me mettre sur le canapé pour regarder encore mon ami Bones. C'est juste des trucs qu'on a déjà vu, mais bon. Et en fait, dans le canapé, j'ai mal au dos. Ça me tire dans le haut, là. Le haut du dos. Bon, je pousse pas la journée. Je vais clôturer le vlog. On va garder le sourire. Demain, c'est une nouvelle journée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye!